Donc voilà le résultat pour l'ensemble du nouveau canton, qui comprenait 17 134 inscrits. Ça a une importance, hein. Pour 104 votes par procuration. Le nombre d'émargements est de 8536. Nombre de votants, 8537. Il y a un petit décalage là. Taux de votants, 49,82. Nombre de bulletins et enveloppes annulées, 177. Bulletin blanc, 349. Exprimé, 8011. Soit un taux d'exprimé à 46,75%. Ont obtenu Philippe Robin et Véronique Villemontex, 1588, soit 19,82% des exprimés. Et vous savez que pour pouvoir se présenter au deuxième tour, il faut un pourcentage par rapport aux inscrits qui est normalement de 12,5%. Et ça représente que 9,26%. Bono, Marc et Anita Brief ont obtenu 1984, soit 24,77%, et 11,57% par rapport aux inscrits. Alors il y a une exception, hein, justement, puisqu'il faut un deuxième tour avec deux candidats. On verra par la suite. Donc Estelle Gerbeau et François Gingros, 2106, soit 26,29% des exprimés et 12,29% des inscrits. Madame Mathieu et Monsieur Robin, je ne connais pas le prénom, mais c'est pas Philippe, 1420, soit 17,73% des exprimés et 8,28% des inscrits, et Pierre Bureau et Marinette Tallier, 913, soit 11,40 par rapport aux exprimés et 5,32 par rapport aux inscrits. Alors, sous réserve de vérification, normalement peuvent se présenter au deuxième tour Estelle Gerbeau et François Gingros, et comme il faut un adversaire, eh bien ça serait Marc Bono et Anita Brief qui ont recueilli 11,57, c'est-à-dire les seconds dans les exprimés. Sans...